déjà la vision, Monsieur l'Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne la diversification économique. Il vous souviendra que les différentes réunions qui se sont tenues en marge de 28 mesures urgentes ont tous martelé sur la diversification économique, en commençant par l'agriculture, l'agro-industrie et tous les autres secteurs de la vie nationale. Il faut noter également que nos réserves en devises pour couvrir les importations se situent à 928 millions de dollars américains, ce qui représente plus de 4 semaines d'importation de biens et services. Il faut noter également que le plan de trésorerie de finances publiques, ainsi que de la Banque centrale, poursuivent normalement le programme tel que prévu. Pour ce qui est de la croissance, les services compétents sont en train d'enregistrer les dernières données concernant le dernier trimestre pour savoir si le taux de croissance est toujours à 4,3 ou si on a connu une variation. Il a été abordé la question de mise à disposition de devises au secteur pétrolier pour permettre l'importation de produits pétroliers, mais également le ministre des Finances a présenté le dossier concernant le décret qui va consacrer la suspension de la TVA de certains produits de première nécessité pour permettre un approvisionnement conséquent en produits sur le marché à l'approche des fêtes de l'année. Rien après l'avenir de la crédit stratégique, le Premier ministre n'a pas parlé. A échangé avec l'ambassadeur du Japon accrédité en République démocratique du Congo. Une première visite pour le diplomate japonais, qui ne s'est pas empêché d'évoquer différents projets en exécution au pays, notamment la construction de l'INPP à Lubumbashi. Et découvrant ces communiqués du gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris l'arrestation samedi 5 novembre 2016 du vieux de la RD, alias Mokato, activement recherché depuis les tristes événements des 19 et 20 septembre dernier par les services de police de la capitale durant la période de suspicée, en plus des nombreux actes de vandalisme, d'incendie, de meurtre, de viol et de pillage de biens publics et privés. Le gouvernement est particulièrement préoccupé par le fait qu'un repris d'injustice ancien artificiel au sein des forces de défense de la République démocratique du Congo, d'où il a été la guerre du Mont Envoyé, a été présenté comme le principal animateur d'une structure politique dénommée Force de progrès et de défense de la jeunesse de l'UDPS. Le gouvernement est surpris de voir une formation politique et en pignon sur rue comptée parmi ses cadres un personnage aussi problématique au regard de son passé et des présomptions de faits criminels qui lui sont imputés. Il engage les instances judiciaires à approfondir leurs enquêtes pour mettre à jour et statuer sur toutes les responsabilités autour de cette affaire. On appelle à la collaboration de tous les citoyens susceptibles d'aider à la manifestation de la vérité à ces sujets. Cette collaboration avec la justice est attendue également des responsables du parquet qui a ainsi ouvert ses rangs au premier au risque d'être considéré comme un complice de faits graves mis à charge de ces blâmes. En tout état de cause, le gouvernement continuera sans désemparer ainsi jusqu'à son dernier souffle à assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Il attend de tous ses partenaires nationaux et internationaux un soutien réel dans l'accomplissement de ses missions sans calcul politicien ni arrière-pensée géopolitique. Fin Kinshasa, le 7 novembre 2016, l'ombre c'est pas lire.